Je reçois Roland Ménard sur ce plateau comme annoncé. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Des mois se sont écoulés. On croyait que c'était le retour définitif à la source. Mais à un moment donné, on a compris que vous avez gardé le pied sur le vieux continent. Alors on s'était trompé, n'est-ce pas? Oui, dans ce sens que la République démocratique du Congo, c'est notre pays, c'est la mère patrie, c'est la patrie de cœur. Oui, je viens d'arriver à Kinshasa après 3 mois. J'ai fait 3 mois d'absence. Je me suis absenté pendant 3 mois. Oui, et le pays m'a beaucoup manqué, me manque toujours, comme nous tous. Hein, et puis j'ai décidé de revenir. Et de Mais vous êtes à la tête de l'Isanga, vous êtes le président national d'un parti dénommé l'Isanga, centriste, ou vous êtes proche de ceux qui gouvernent maintenant, CASH, FCC? Je suis dans la coalition FCC-CASH, effectivement, et nous autres au niveau de l'Isanga, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, ce que nous voulons c'est que toutes les compétences qui ont au centre de leurs préoccupations l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais, peu importe nos obédiences politiques, religieuses, philosophiques, que toutes ces compétences convergent les unes vers les autres afin que nous abattions un travail qui va répondre aux attentes du peuple congolais souverain. Candidat non élu, je ne dis pas malheureux, à la députation nationale en 2018. Dans la circonscription de la Lukunga. Vous avez tenté la chance, mais elle n'a pas souri. Ce n'est qu'une partie remise, peut-être en 2023, parce que tout le monde en parle. 2023, mais... Nous n'en sommes pas encore là, nous parlons RDC développement ou émergence, mais avec quelle mentalité, les mentalités plurielles, le sujet nous passionne, parce qu'on sent que nous avons encore assez de choses à faire, le chemin semble, semble long. Alors, on commence par quoi? 2023, vous y préparez? Dès maintenant, parce que nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est qu'en 2018, nous avions été... très en retard dans la préparation, nous nous y sommes pris au dernier moment, dans les derniers gonds, et ça fait que nous n'avons pas pu combler certaines lacunes, notamment concernant le fait que il nous fallait nous imprégner de la réalité du terrain, nous imprégner de la mentalité des Congolais, je pense qu'on va en reparler, nous imprégner du fait que les Congolais attendaient de nous autres qui venons de la diaspora une certaine façon de faire. Nous y avons répondu, mais sur le tard, et là nous avons décidé de nous mettre dès à présent sur les starting blocks en prévision de 2023. Lorsque vous regardez les Congolais délocalisés de son terroir, formés ou non, instruit ou non, un télo ou non, lorsque on regarde les Congolais, comment peut-on le qualifier? Un peuple exceptionnel? Un peuple exceptionnel, capable du meilleur comme du pire, hélas. Il critique même Dieu, il critique Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est une très belle image. Il cherche un Superman pour venir diriger le pays. Nous ne sommes pas d'accord. Tel autre, non. Non, parce qu'on ne veut pas de vous. Finalement, quel peuple sommes-nous? Voilà. Je pense que, effectivement, les Congolais doivent comprendre une chose. Nous autres, les Congolais, nous devons comprendre une chose. C'est que, et nous le disons souvent dans l'Isanga, nous avons besoin d'être ensemble pour redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise. Pas ensemble, Nabuzo, bah quand même. Justement. Ensemble, voilà. Dans les valeurs. Dans les valeurs, dans tout ce qui est vertu, dans tout ce qui est moral, dans tout ce qui est compétence, c'est très important, dans tout ce qui est considération de l'autre. C'est très important cela. Or, nous nous sommes rendus compte d'une chose, pas seulement nous, on nous reproche cela. C'est que le Congolais a tendance à ne pas reconnaître les compétences d'autrui, à ne pas reconnaître les compétences de sa sœur, à ne pas reconnaître les compétences de son frère. Et là, nous devons travailler là-dessus, à travers des émissions comme la vôtre, que nous suivons beaucoup à partir de la diaspora, mais ici aussi au niveau de l'Isanga, au niveau de la République démocratique du Congo et dans l'Isanga aussi, bien entendu, et des émissions qui ont pour objectif d'instruire
Voilà, un peuple s'éduque. Hein. Oui, le peuple les émissions, ne peut pas être laissé à lui-même. Ça risque d'être une goutte d'eau dans l'eau lorsque, depuis le sein de sa mère, on n'a pas eu le temps d'intérioriser ses valeurs. Lorsque le temps qu'on a passé, c'est d'insulter, c'est de dénigrer, c'est de détruire. Regardez les capacités énormes des nuisances et des destructions dont nous avons fait montre en Europe et précisément en France il y a quelques jours. Exactement. Regardez sur la toile comment nous démolissons notre pays et ceux qui dirigent. Alors, est-ce qu'avec ces mentalités, nous pouvons construire un Congo? Avec une mauvaise mentalité comme celle-là, bien entendu, la réponse est non. Et nous, ce que nous disons toujours, c'est que le Congo, ne le rêvons pas. Construisons-le, façonnons-le ensemble. Lorsque je parlais des émissions, bien entendu, vous vous dites que c'est une goutte d'eau dans le vase, dans l'océan, pardon, une goutte d'eau dans la mer. Oui, bien évidemment. Mais lorsque vous additionnez toutes ces gouttes d'eau-là, l'éducation à partir de la maison, la conception, une certaine conception philosophique des choses concernant les relations humaines entre individus, le fait de savoir apprécier ce que fait l'autre, le fait d'apporter son appui, d'apporter son aide pour que l'autre puisse réussir, et le fait d'attendre aussi de l'autre le même comportement. Tout cela fait partie d'une éducation qui commence à la maison, au sein de la famille, qui se poursuit à l'école, pour continuer au niveau de l'université, pour ensuite s'établir encore plus en profondeur au niveau des activités professionnelles que l'on peut avoir les uns et les autres. Alors, vous savez, ce qui, par moments, fait très mal, c'est que nous avons aujourd'hui aux affaires Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Exactement. Autour de lui, beaucoup de ceux qui avaient milité dans la diaspora, qui étaient avec vous. Tout à fait. Vous reconnaissez certains autour de lui. Bien entendu. Et d'autres fils et filles du pays. D'autres sont dans le gouvernement. Des femmes et des hommes qui avaient pignon sur rue dans la diaspora, oui, et qui ont beaucoup donné. Et exactement, quand ils arrivent aux affaires, ils ont leurs faiblesses et leurs vertus. On n'entre pas en détail, mais ceux qui étaient avec eux sont maintenant leurs premiers ennemis qui les déboulonnent. Donc, c'est-à-dire qu'ils les détruisent. Voilà, et sur la toile, les injures. Nous citons par exemple la ministre de l'économie. Ça, c'est un cas d'illustration. Alors, est-ce que... Maman, pourquoi vous êtes capable de telles choses, vous, Congolais de la diaspora? Écoutez, votre question a ceci de pertinent, et nous faisons bien justement de parler de l'exemplarité de maman Acacia Banubola, son Excellence Madame la Ministre de l'Économie, que je salue au passage d'ailleurs en espérant qu'elle nous suit. Voilà, nous avons deux conceptions des choses en fait. Lorsque vous regardez dans la diaspora, vous avez des personnes qui mettent la pression sur ceux qui sont aux affaires, qui étaient hier et qui sont aujourd'hui, en tenant des propos indignes, méchants, en tenant des propos qui visent à discréditer et d'autres choses encore qui sont franchement, qui n'honorent personne. Et puis, d'un autre côté, vous avez des personnes comme nous, nous mettons dans ce cadre-là, au niveau de l'ISANGAF, qui mettent une pression, mais en accompagnant, en encourageant, en félicitant, en venant présenter des civilités, en faisant comprendre à ceux qui sont aux responsabilités que nous autres qui les observons, nous attendons d'eux le meilleur. Le meilleur non pas pour nous-mêmes, non pas le meilleur pour eux-mêmes, mais le meilleur pour l'essor du Congo et pour le bien-être du peuple congolais. Et lorsque vous observez une personne comme Madame la ministre Acacia Banubo, là, qui vient de France aussi, qui fait notre fierté à nous autres qui venons de la diaspora congolaise de France, elle est tantôt au four, tantôt au moulin. Mais qui est très insulté aussi. Et voilà, vous avez... ceux qui étaient avec lui. Et voilà. On se demande, vous qui êtes allé en Europe, justement, 30 ans, bien. Plus de 30 justement, ans, 40 ans, justement, vous avez appris des valeurs auprès de ceux que vous appelez Mindélé ou les Blancs. Voilà. Pour moi, il n'existe pas des Blancs. Vous êtes justement, en train de me rejoindre. Vous avez appris à faire le distinguo entre les valeurs et le non-valeur. Et vous savez, vous ne savez pas mettre tout le monde dans le même sac. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement
ce qu'on vit là, même au pays, les gens commencent à dire, oui, on croyait que ils allaient apporter quelque chose de nouveau. Poto Ezaki est un modèle, mais il n'y a rien. Voilà. C'est une sorte de... Oui, mais il y a un souci, je ne veux pas utiliser des mots forts. Mais justement, c'est pour cela que dans les réunions que nous tenons, nous faisons comprendre à nos compatriotes, que nous tenons au niveau de la diaspora, nous leur faisons comprendre que dans tous les faits et gestes qu'ils posent lorsqu'ils rentrent au pays, les Congolais, nos compatriotes qui sont ici sur le terrain, les observent et à partir de ce qu'ils font, ils nous jaugent nous aussi. Et ils ont même tendance à nous mettre tous dans le même sac. Alors, là maintenant, ce que nous devons faire, et je le dis avec le plus grand sérieux et la plus grande gravité, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut vraiment que les Congolais comprennent que parmi nous, qui venons de la diaspora, il y a des personnes qui ont comme objectif de détruire, qui jalousent, qui ne sont pas contents que autrui puisse avancer, que autrui puisse réussir. Mais à côté, vous avez d'autres compatriotes aussi. Donc tout ce qui vous dévore dans la diaspora, c'est la jalousie. Donc, la jalousie. Ça, c'est quelque chose de terrible. On pouvait parler de ceux qui sont partis d'ici. Banangili, Banamatete, Banabandal, Banagombe. Oui. Les anciens, les enfants des anciens dignitaires de Mobutu. Mais on remarque quand même que même ceux qui sont nés là-bas, apparemment vous semblez mettre tout le monde dans le même sac et vous détruisez même ceux qui ont combattu avec vous, qui sont aujourd'hui aux affaires. Bah, et ça devient même pire que ce qui s'est passé sous Kabila quand même. Voilà. Ce que nous devons relever, c'est que, voilà, il faut faire un distinguo entre l'activisme vindicatif, revendicatif, où nous voyons des comportements qui ne sont pas dignes, et l'activité politique responsable, mature, outillée, qui a pour objectif de faire de telle sorte que nous nous rassemblions autour de la mère patrie, notre patrie de cœur, pour que nous avancions les uns les autres. Aussi bien ceux qui sont à l'intérieur du pays que ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et ça, c'est le but de l'Isanga. C'est pour ça que nous autres, lorsque nous arrivons ici au pays, nous ne sommes pas aux responsabilités. Nous aimerions, bien entendu, pouvoir démontrer, pouvoir montrer au peuple congolais ce dont nous sommes capables. Ça, c'est une évidence. Nous avons des ambitions. Nous avons également les compétences de nos ambitions. Mais nous nous disons que nous devons accompagner ceux qui sont aux responsabilités pour qu'ils réussissent. Parce que nous partons du principe, M. Fabien, que la réussite de nos compatriotes qui sont aujourd'hui au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, au niveau de la députation nationale, au niveau du Sénat, la réussite de toutes ces personnes, sera notre réussite à nous aussi et sera la réussite de tout le Congo. Nous partons de ce principe-là. C'est pour ça que nous accompagnons ces personnes. Comme ça, en dehors de l'Isanga qui prend ses valeurs, est-ce que c'est compris comme ça dans toute la diaspora congolaise? Je ne parle pas des États-Unis, mais je vois d'abord l'Europe, la vieille Europe. Bien sûr. Est-ce que c'est compris comme ça? Les enfants que vous avez mis au monde là-bas, quand vous êtes partis très jeunes, ces enfants, qu'est-ce qu'ils pensent du Congo? Est-ce qu'ils ont aussi besoin de rentrer pour agir de la même manière que ceux qui sont rentrés ou qui sont là-bas? C'est à nous, M. Fabien, d'inculquer l'amour de la patrie à nos enfants qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas. C'est à nous de leur faire comprendre que la mère patrie, ce n'est pas notre pays d'accueil. La mère patrie, c'est le pays dans lequel nos ancêtres se sont trouvés, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. C'est là notre mère patrie. Et l'amour de la mère patrie s'inculque par l'éducation, par le fait de montrer comment est le Congo, de montrer le mauvais côté, le mauvais aspect tel qu'il est, des choses à combattre, et d'un autre côté aussi, montrer le beau côté de notre pays, hein, parce que le pays est très beau, hein, mais bon, dommage au niveau des, comme très vous beau, l'avez dit tout à l'heure, très riche, très grand, ce pays est convoité par toutes sortes de personnes, par toutes sortes d'États aussi, mais bon, ça nous y reviendrons, mais ce sont des choses que nous expliquons à nos enfants pour qu'ils se disent, mon pays d'origine, c'est la République démocratique du Congo. Alors oui, nous autres au niveau de l'Isanga, nous faisons un travail
qui consiste bien sûr à montrer quelle est notre vision des choses, quels sont nos idéaux, quels sont les principes que nous avons, quel est notre désir d'avenir pour la République démocratique du Congo. Voilà le travail que nous faisons et nous aimerions que cela fasse ricochet auprès de nos autres compatriotes qui ne seraient pas dans le même état d'esprit et qui ont tendance à dénigrer, à dire et à vouloir l'insuccès de nos compatriotes qui sont aux responsabilités. Ça, c'est une tare que nous devons combattre. Il y a plus d'enjeux. Le débat est ailleurs, les vrais sujets. Nous sommes dans un monde dans un monde qui se globalise, nous sommes dans, avec des enjeux extraordinaires. Tout à fait. L'environnement, nous sommes le 12e poumon forestier du monde. Le cœur du monde bat aussi à partir de chez nous. Nous sommes détenteurs des terres rares. Il n'y a pas de désert. Et des terres très fertiles. Il n'y a pas de désert en République démocratique du Congo. Nous avons tout et des solutions qu'on propose au monde. Le président est là avec une vision. Regardez comment il pense, ce qu'il pense du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Regardez ce qu'il pense de grands enjeux par rapport au rôle que devra jouer son pays. Mais quand on regarde entre la vision et les fragments, il y a un vide. Il y a un vide. Et autour de lui. Et dans nous, la population, ou dans le leadership dans tous les domaines. Et finalement, nous ne sommes que dans la platitude. Voilà. Alors finalement, est-ce que nous serons à ce rendez-vous? Est-ce que Tshisekedi ne va-t-il pas échouer? Parce que la vision est plus haute, mais en bas, il y a un vide entre la vision et les fragments. Bah, nous ne voulons pas qu'il échoue. Non, je dis, je me demande, est-ce que Tshisekedi ne va-t-il pas échouer avec c'est un une peuple, question qu'on peut se poser avec tout ce qui se des passe. Leaders aux mentalités qui sont les nôtres. Voilà. Vous savez, M. Fabien, lorsque vous êtes en train de me dire cela, il y a deux aspects qui me viennent tout de suite comme ça à l'esprit. Aspect numéro un, ce serait bien, nous le souhaitons, que l'on mette aux responsabilités les compétences et non la notoriété. Que les personnes qui sont compétentes aient le bâton de diriger, de pouvoir diriger, les possibilités de pouvoir conduire la barque, comme on dit, d'une manière familière, plutôt que de privilégier des personnes qui sont connues, mais qui n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir abattre un travail, le travail qu'il faut et le travail qui est nécessaire afin de répondre, comme nous le disons toutes et tous régulièrement, aux attentes légitimes du peuple congolais souverain. Aspect numéro un. Aspect numéro deux, vous venez de le dire là, le Congo a tout. Nous avons tout chez nous. Nous sommes convoités parce que, justement, nous avons tout chez nous. L'abbé Pierre, en France, disait une chose qui m'avait interpellé. Le problème du Congo, c'est que nous avions assisté à une de ses conférences, paix à son âme, avant qu'il ne décède. Il disait, le problème que vous autres Congolais, vous avez, c'est que vous êtes assis sur toutes les matières qui font avancer le monde. C'est un gros problème pour vous. Mais vous faites que vous chamaillez et vous insultez. Justement, pour retomber, il ne faut pas se comporter comme ça. Alors qu'au Sénat, est-ce que vous avez appris, vous qui êtes j'arrive, de France, bien. Au Sénat, vous avez appris qu'il y a un colloque sur la situation dans les Grands Lacs. Voilà, justement, j'y arrive. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect des choses. Pourquoi? Parce que nous partons du principe qu'à partir de ce constat de la richesse, de l'immensité, de l'importance de notre pays, nous devons être les ouvriers de maintenance de ce que fait par exemple le président de la République qui est la première autorité de l'État. Il indique la direction à suivre. Nous autres, nous devons être les personnes qui travaillons, qui sommes tantôt au four, tantôt au moulin, comme je le disais pour la ministre Akasia Banubo là, pour que ce qui doit être mis en place puisse être palpable et non se limiter à des simples slogans comme le font beaucoup de nos compatriotes, aussi bien au niveau de la diaspora qu'au niveau de la République. Vous le dites bien, si nous continuons avec la mentalité ou les mentalités des ouvriers. Voilà. Ouvriers de maintenance, c'est très important. Ouvriers de maintenance, mais nous devons dépasser cette étape, Roland, pour être détenteur des fragments de la grande vision. Tout à fait. Le Congo a un rôle à jouer dans le monde. Tout à fait. Et nous,
nous sommes dans la platitude, nous insulter, nous chamailler. Exactement. Sur « non mais moi j'ai mangé, lui il mange, lui, moi je ne mange pas ». Quand quelqu'un essaie de sortir du lot, sortir la tête de l'eau, on fait tout pour le tirer de là et le clouer. Le fameux panier de crabe. Oui, quand il est cloué, c'est bien, bravo, on a réussi. On se moque de lui. Il ne pouvait pas aller plus loin. On dit, ah mais il ne pouvait pas aller plus loin, vous savez, voilà. Il est imbu de lui-même. Voilà, bah, vous rejoignez ce que je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui se comportent comme ça. Nous le dénonçons avec la plus grande énergie. Nous les livrons à la vindicte populaire. Nous les condamnons. Ça, c'est la violence. Et nous ne voulons pas... Ça, c'est la violence. Nous ne voulons pas... On peut être violent. Vous savez, Ségolène Royal disait lors d'une émission... lorsque le président Sarkozy lui reprochait d'être en colère, elle parlait de colère saine. Il existe des violences saines. Voilà. Donc, lorsque vous vous retrouvez face à des personnes qui ont un comportement qui n'est pas digne, un comportement qui ne valorise pas la République, un comportement qui ne valorise pas le peuple congolais, nous sommes en droit de leur dire stop de la manière la plus ferme possible pour qu'ils comprennent que là, ils sont en train de nous entraîner dans une direction que nous ne voulons pas. Nous maintenant, ce que nous faisons, et je me répète à bon escient, M. Fabien, c'est que nous nous disons, voilà, je me retrouve par exemple face à M. Fabien Lumbala, je suis souvent ses émissions, mais je veux être un opposant intime de M. Fabien, dans ce sens que, dans votre dos, je vous défends, je vous complimente, je mets en valeur vos compétences, et c'est ce que nous nous faisons en tant que les amis d'Akasia Banumbo là, mais lorsque je me retrouve face à vous, c'est à ce moment que je vous dis les quatre vérités, que je vous dis, non, monsieur Fabien, là vous avez mal agi, j'aurais préféré que vous fassiez les choses de telle manière. Là, voilà, c'est, comme on dit, laver le linge sale en famille et non au vu et au su du monde entier, comme se comportent les Congolais souvent. Et lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous est reproché. Nous avons tendance à laver notre linge sale au vu et au su du monde entier. Et en se comportant comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, M. Fabien? Au lieu de valoriser le pays, nous le discréditons et nous ne donnons pas envie aux investisseurs de venir en République démocratique du Congo pour participer à l'essor économique de la nation. Alors, lorsque les Européens, surtout de France, les Français, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'en ai suivi sur les réseaux sociaux, d'autres sidéraient. Alors, nous devons être honnêtes et francs avec ceux que nous suivons. Que disent les Français de vous, Congolais, d'ici et d'ailleurs, surtout vous de là? Nous autres de la diaspora congolaise. Oui, qu'est-ce que les Français disent de vous? Ben écoutez, les Français, oui, Européens, qu'est-ce qu'ils disent de la communauté congolaise? Ça dépend du milieu ça dépend du milieu dans lequel nous évoluons les uns et les autres. Vous savez, il faut aussi que nos compatriotes comprennent une chose, et ça, j'aimerais vraiment appuyer un accent pointu là-dessus. Dans la diaspora, il n'y a pas que des personnes vindicatives. Dans la diaspora, il y a ce que moi j'appelle la diaspora positive, qui est constituée de Congolais qui sont des professeurs d'université, des médecins, des étudiants valables, et voilà, qui se font remarquer dans différents pans de la vie en société à partir de l'extérieur. Donc ne mélangeons pas tout, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Bien entendu, vous savez, comme on le dit, hein, je n'insulte personne. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit et ce sont ceux-là qui se font le plus remarquer. Dommage, et c'est vraiment dommage d'avoir... lorsque j'ai vu ce qui s'est passé à Paris-Bercy après le concert de l'artiste Fally Ipupa, comment se sont comportés nos compatriotes sur le terrain, je me suis dit qu'ils auraient pu se servir de cet événement pour valoriser leurs revendications, pour faire de telle sorte que les autorités sur la place publique se disent « Ah oui, là, il y a un problème que nous devons écouter, il y a une expression que nous devons entendre, plutôt que de se comporter de la manière dont ils se sont comportés. » Parce que là, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Nous avons vu que les politiques qui mettent en exergue le racisme, l'exclusion, ont profité de cet événement pour montrer au peuple français qu'ils étaient dans leur bon droit lorsqu'ils veulent que
nous autres, nous soyons... Un chèque en blanc, donc déposé sur la table de Marie Le Pen. C'est à elle que je pensais tout particulièrement. Robert Ménard. Alors, exactement. Nous allons chuter. Je comprends qu'il y a des catégories de Congolais. Tout à fait. Ailleurs, il y en a qui ne fréquentent pas les autres parce que tout simplement, ils considèrent qu'ils peuvent s'abrutir ou s'avilir en côtoyant telle ou telle catégorie. C'est tout à fait normal. Il y a les summums, il y a les scientifiques et les hommes d'affaires. Qui existent dans la diaspora. Mais il y a une catégorie de ceux, je ne les appelle pas ton nom vide, mais ceux qui aiment faire parler beaucoup d'eux. En mal. Malheureusement, on constate qu'ils sont plus nombreux. Où est notre démission, monsieur Fabien? Notre démission, et cela, moi, je le reproche aux intellectuels congolais, partout où ils se trouvent, aussi bien à l'intérieur du Congo, ils sont très nombreux, qu'à l'extérieur de la République. C'est justement de s'être mis en retrait et d'avoir laissé ces incompétences, ces irresponsables, occuper le devant de la scène. Voilà, moi, ce que je nous reproche à nous. C'est à nous, justement, nous n'allons pas nous excuser d'avoir été à l'école, nous n'allons pas nous excuser d'être, entre guillemets, intelligents, nous n'allons pas nous excuser d'avoir de la matière grise. Les Congolais, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, nous sommes nombreux. C'est à nous, et moi je le revendique, et moi je le dis tout le temps, nous le disons au niveau de l'Isanga, nous interpellons les compétences. Nous leur disons, écoutez, mettez-vous, enracinez-vous au devant de la scène pour que, comme vous me posiez la question tout à l'heure, pour que justement ceux qui nous observent à l'extérieur du Congo se disent, ah, voilà les Congolais, voilà ce qu'ils sont capables d'apporter, non seulement à leur pays, mais d'apporter à l'univers. Voyons loin, soyons fous. Pourquoi cet art, pourquoi cet art nous poursuive-t-elle jusqu'à l'étranger, dans les pays d'accueil, même des pays de grande démocratie, alors qu'on remarque que les Éthiopiens, quand vous êtes à Addis Abeba, la métamorphose là. Vous avez vu? La métamorphose là. Allez dans certains quartiers dans la banlieue d'Addis Abeba, vous allez trouver des quartiers entiers avec des belles maisons, des villas. C'est la diaspora qui envoie $1, $2 au pays. Ils se cotisent. Ils ont même des banques d'Éthiopiens de l'étranger. Comment expliquer nos mentalités? Par moments, je me regarde dans le miroir, j'ai des larmes aux yeux. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? C'est triste. Trois points. Le premier, l'essentiel, le plus important, la mentalité. Nous devons changer de mentalité, nous autres, les Congolais, toutes et tous. Deuxièmement, l'éducation. D'où l'importance, comme un peuple s'éduque, hein, d'où l'importance de la décision prise par le chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la gratuité de l'enseignement. Ça, je pense que c'est quelque chose, un point très important dès le plus bas âge. C'est très important que le corps enseignant fasse aussi son travail. Troisième point, la reconnaissance. Reconnaissons les aptitudes, les compétences des uns par rapport aux autres, que chacun reste à sa place de responsabilité, que chacun devienne ce que Dieu a décidé qu'il devait être. Nous ne sommes pas obligés d'accomplir tous le même travail. Il y a des personnes qui sont compétentes pour accomplir tel travail, d'autres pour accomplir un autre. À nous de savoir ce dont nous sommes capables et de travailler pour avoir la solution à nos problèmes dans nos domaines de compétences. Alors, la génération qui était inconsciente dans le désert, bien que sortie d'Égypte, ayant vécu des miracles, cette génération est passée, sauf Josué et Caleb. Et les jeunes, la nouvelle génération, étaient en train. Oui. Alors si cette génération ne comprend plus rien, eh bien, ça sera nos enfants et les enfants de nos enfants. Je vous remercie. C'est moi. L'espoir est permis. Roland Mena, président national de l'Isanga, acteur politique, voilà, entrepreneur. Très bonne journée et à vous et à la régie qui nous a donc servi depuis le matin. À tout à l'heure.
pour la suite des programmes sur votre chaîne.